Coucou. Alors, je viens vous présenter je me suis amusée à faire un petit mini-album. Voilà, j'avais cette collection ici, donc la collection de chez Trezart, donc Unforgettable, que j'avais. Et je voilà, j'avais envie de le scraper. Hein. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de mini-album avec du papier, entre guillemets. Non, je vais pas dire du beau papier. Je vais dire papier de marque. Voilà, on va dire ça comme ça. Et comme j'avais celui-ci, voilà, rouge, noir, voilà, j'avais envie de travailler sur ce papier. Bref. Du coup, j'ai utilisé donc cette collection. Donc, dans cette collection, j'avais donc un bloc de 30 par 30, du papier 15 par 15. Hop. Papier, du papier 15 par 15. Voilà, celui-ci. Donc, il m'en reste encore un petit peu quand même. Et j'avais aussi pris des petites étiquettes, enfin des petites cartes comme ceci. Voilà. Et j'avais aussi donc les die-cuts. Donc, il m'en reste encore pas mal. Et avec donc ce papier-ci, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait ce mini-album-là. Avec une couverture en sky vertex, puisque j'aime bien travailler le sky vertex. Donc, vous voyez, c'est un tout petit album. Je vous donne vite fait les mesures. Il fait 20 sur 15. Voilà, donc c'est vraiment un tout petit album. Voilà. Donc, pour la couverture, j'ai utilisé ici donc des fleurs de chez Action avec des petits pistils. Ici, donc là, vous avez tous les die-cuts. Et là, j'ai mis aussi une petite dentelle en pâte durcissante de chez Action que j'avais. Et je trouvais que ça allait parfaitement avec l'album. Voilà. Donc, vous avez ici une petite tranche de 1,5, je crois. Non, je vous raconte des bêtises. De 2,5, mais elle aurait mérité un petit 3 cm, je pense. Voilà. Donc, hop, voilà, quand vous l'ouvrez, ce que ça vous donne. Alors, ce qui m'a donné envie de faire ce mini-album, c'est que j'ai vu un tuto de Hélène L, plus loin, N, Scrap, qui avait fait un mini-album, enfin, qui avait fait un album sur spécial Saint-Valentin. Et j'ai trouvé cette page super sympa. Donc, je m'en suis beaucoup inspirée. Voilà, je vous mettrai en lien, en barre d'infos, le lien de sa chaîne, si vous voulez aller faire un petit tour. Voilà. Donc voilà, je me suis inspirée de ces pages pour faire ce mini-album. Comme par exemple la première page. Donc hop, vous l'ouvrez, donc elle est avec un aimant. Hop, et quand vous l'ouvrez, voilà, ça vous donne ceci. Donc là, vous pouvez mettre une, deux, trois, quatre photos. Hop, et de l'autre côté, pareil. Quatre photos aussi. Et c'est ça en fait que j'ai trouvé. Enfin, ça m'a donné envie de faire ce mini-album grâce à cette page. Voilà, je l'ai trouvé super sympa. Voilà. Hop. Et elle est tenue, voilà, par un aimant. Et là, j'ai mis une petite touche aussi de Sky Vertex. J'ai essayé de mettre sur chaque page une petite touche comme ceci, puisque j'avais des chutes. Donc autant les utiliser. Ensuite, il s'ouvre comme ceci. Donc là, vous avez juste un rabat avec une carte. Pareil ici, vous voyez, j'ai mis du Sky Vertex, un petit die-cut. Donc ça fait un petit passant. Ici, vous avez une petite carte comme ceci, avec une ouverture comme ça. Hop. Ici, vous avez ici une petite pochette avec une carte et un petit tag. Et ici, vous voyez, vous avez voilà, pareil du Sky Vertex. Hop. Ici, vous avez cette pochette, enfin cette pochette, cette page, avec donc tenue par un aimant. La petite touche ici. Hop. Et ici, vous avez les emplacements. Hop. Photo. Là, il manquerait peut-être un petit emplacement photo, une petite feuille, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà. Donc voilà pour ce côté-ci et de l'autre côté c'est un peu plus simple. Donc j'ai voulu faire, vous voyez, pareil. Donc là en haut il s'ouvre comme ça et celui-ci il s'ouvre par le bas. Comme ceci. Ici vous ouvrez comme ça.
toujours la petite touche ici. Et voilà, vous l'ouvrez comme ça. Ici, vous avez une pochette avec une carte, mais que j'ai collée à l'envers. C'est pas grave. Et ici, comme ceci. Vous voyez, donc c'est un petit mini album. Voilà, j'avais envie de travailler là-dessus. Et voilà. Toc. Voilà comment il est. Oui, tout simple. Mais voilà, j'avais envie de travailler là-dessus. Et je pense que je vais faire un petit tuto de ce mini-album. Mais j'avais envie de le faire avec ce papier-ci de chez Action. Voilà, parce que je le trouvais très joli. J'aime beaucoup les couleurs de celui-ci. Donc je pense que je vais vous faire un tuto de ce mini-album avec ces papiers-ci. Voilà, donc le prochain tuto, ce sera ceci. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce mini-album vous plaît. Allez faire un tour sur la chaîne d'Hélène Scrap, vous allez voir, elle fait des très très beaux albums. Donc voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.